Salut, salut! Alors, on se retrouve pour peut-être la dernière partie des ruines de la race créatrice. Alors, on va repartir dans le présent et on va déjà finir, donc, du coup, tout ce qu'on n'a pas fait dans le présent. Peut-être trouver des items qui nous seront utiles dans le passé, etc. Sympa. On a un petit golem qui nous attend gentiment. Mince, je t'ai pas vu toi. Revenons. Faible feu. Oh shit. Bon bah du coup je me buff. Je pensais pas qu'il y avait des... Bon, on va se reprendre le piège, hein, c'est pas grave. En espérant qu'il fasse un petit peu mon mal. Je préfère me le prendre plutôt que de tuer des ennemis avec. Par contre, waouh. Wow. Pas les mêmes claques. Hein. Quand on sait où ils sont, c'est quand même vachement plus simple. Presque passé quand même. Hein. Tac. Alors, est-ce que les esclaves du coup veulent bien me parler maintenant? Ils ne semblent pas en mesure d'interagir avec vous. J'ai bien le truc de. Ouais. Je capte pas. Ça fait le plein, c'est pas mal. Opale de feu. Ok. Alors. Temporel, est-ce que tu veux me causer? Ah, qui êtes-vous? Sorte d'esprit, golem gardien, créateur. Quoi parlez-vous? Bien y avoir un moyen de vaincre ces golems gardiens. Ah, j'étais esclave quand les golems furent conçus il y a 10 000 ans, avant cette existence automatique. Les golems ont été invincibles. Dont ils ont été construits. Cette petite imperfection les rendrait vulnérables et romprait le sort des créateurs qui lie mon esprit, cet endroit et me force à alimenter les golems pour l'éternité. Remontez le temps, pas d'inquiétude, gérerai les golems et libérez votre esprit. Ok, donc il y a bien un moyen de détruire ces trucs là. Hop, voilà, j'ouvre ça. Parce que derrière moi il reste quoi? Ah, je sais quoi, je suis obligé de. Ah, je crois que ça allait détruire complètement la porte. Enfin, détruire. Détruire, c'est un grand mot. Je pense que c'est un truc qu'on peut détruire. Gêne ici. Ils sont bien invincibles. Ils sont même pas ultra résistants. C'est des morts. Du coup, le truc que j'ai fait, parce que ça je l'ai fait la dernière fois, c'est bien ça. Ah, mais il y a encore un golem. Ok. Par contre, à la rigueur, ce que j'avais déjà. Allez. Peut-être qu'elle peut me donner quelque chose d'intéressant. T'es quoi? T'es...
t'étais négligeable, c'est ça. Voilà. Ok. Donc je te pute pas, non. C'est de. Salutations. Une fois. Vas-y. Réussite. Et tu me donnes un objet, quelque chose comme ça, un rubis, 350 PO, 350 XP. Ok, tu peux me dire autre chose ou pas? Je cherche un mot de pouvoir. Qui êtes-vous? Bla bla bla, ok. Bon bah rien d'autre, dame Ned. Ah, comment est-ce que je gère ce défaut de création? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, ça du coup tout est fermé, parce que j'ai ouais, un ouvert. Je vais faire ça, je revérifie. En bas, c'est une énigme. Là, il y a le golem qui gêne. Là, il y a le golem qui gêne. Là, il y a le golem qui gêne. Et dans le passé... Dans le passé, j'ai quasiment tout fait. Enfin, j'ai tout fait même. Allez, vas-y, on va revenir dans le passé. Ah, c'est quoi ce truc qui me buff? Ah, c'est énorme! Force accrue, je pense, c'est ça. 466 kilos, je peux porter! Ouais, hey. Là, je pense que le mec qui. Le petit guerrier là, quand il a ce renforcement avec la force, il doit bien bien taper quand même. Hein. Il y avait quoi là-dedans? Là, une amulette de trad. Ok, alors où est-ce qu'ils ont été créés ces golems? Bonjour. Non, fin de dialogue. Dites-moi plus sur la crypte et les golems. Que pouvez-vous me dire? Qu'avez-vous dit au sujet de ces protections? Ouais. Une fois achevée, la crypte sera protégée par 3 golems indestructibles et immunisés contre toutes les attaques. Existe-t-il un moyen de vaincre ces golems? Si je ne termine pas les. Leurs golems, les maîtres vont me torturer jusqu'à ce que je les supplie de me tuer. Ensuite, ils me donneront la mort de façon épouvantable. Alors, persuasion, je pourrai vous libérer de votre esclavage. Échec. Et où irai-je, Dame Ned? S'il vous plaît, si vous m'aidez, cela portera un grand coup à la tyrannie de la race créatrice qui vous a servi pendant. Il y a quelque chose d'étrange chez vous, vous ne ressemblez pas à un esclave évadé. Peut-être dites-vous vrai. Si je vous aide, je risque beaucoup. Mais ça ne sert à rien hein, si vous pouvez réellement nuire au maître, ok. Si je ne construis pas le golem, les maîtres sont nanana. Je ne peux introduire qu'une seule faille, sinon les maîtres s'en apercevraient. Dois-je rendre le golem vulnérable au feu, au froid, aux armes contondantes ou aux armes tranchantes et perforantes? Le feu, en général, le feu. Je ferai sur vos instructions, toutefois cela n'affectera que le golem sur lequel je travaille. Il y en a d'autres. Ok, ah nice. Donc toi tu seras faible au feu, bon je vais tous les rendre faibles au feu, s'ils me demandent tous à chaque fois à quel élément je dois. Il doit les affaiblir. Donc toi c'est bon. Toi tu travailles sur un autre aussi, je suppose. Alors je voudrais poser quelques questions. Qu'est-ce que vous construisez? Alors, que pouvez-vous me dire au sujet de ces gardiens? Existe-t-il un moyen de les persuasion? Échec. Tac, au feu. Voilà, ok. Le dernier. Palapalapalapa. Coucou. Salutations. Qui êtes-vous? Dites-moi plus sur les cryptes et le golem. Persuasion ou échec encore, s'il vous plaît, aidez-moi, blablabla, au feu. Ok. Et le cadran solaire, il était... Ici. Est-ce que je peux te dire autre chose, toi, ou pas? Vous
voilà. Savoir autre chose sur la chambre forte que nous construisons. Non, non, non. Ouais. Pas intéressant. Ok. On enregistre et on va voir. Acide, froid, électrique, magique. Effectivement, il n'y a pas le feu. C'est parti. Vachement plus facile. Qu'est-ce que tu as sur toi? Une... Ok. Fou. Bras en fumant, établi. Tac. Oh, je vois plus quelqu'un. J'espère que ça va pas trop, trop pire. Please, please. Pas one shot. Je me suis déjà soigné. De couleur. Alors, il y a des inscriptions sur ce chevalier concernant la race créatrice de l'ancien croyant au pouvoir de certaines pierres précieuses, dont il s'avère une hiérarchie précise. Il considérait la malachite comme la moins puissante. Mince. Les améthystes étaient particulièrement appréciés, mais ce sont les émeraudes qui étaient les plus réservées. Les plus révérées, pardon. Ok. Alors, la malachite sévère. Sévère ou... Mince. Est-ce que je pense qu'il faut faire... Marque... Voilà, du coup... Il ne semble rien se passer, c'est peut-être une mauvaise... Non, dans ma... c'est important. Okay.
l'améthyste et ça. Ça. Et l'émeraude, c'est. Faire une autre save au cas où. Juste avant que je fasse l'énigme au cas où il y aurait une merde. Je pense pas, hein, mais bon. On va faire assurer. De toute façon, je pense pas qu'on puisse louper la quête principale, donc bon. Alors, on continue. Palapalapalapam. Coucou, c'est moi. Hein? Tu dis quoi là? Tu veux me taper? Tu veux prendre des dégâts de feu? Ah, c'est con, hein. Bah, tu fais quand même mal encore. Hein. Allez, tu te finis? Non, pas encore. Pas encore. On peut verrouiller, verrouiller. 327 XP. Ipex, c'est petit Ipex. Pas de piège, please. Bien. Pousse-toi. Et du coup, ça te libère, mec, quand je le tue? Non, il faudra que je retourne dans le passé, peut-être. Je m'en fous de ça. Ça aussi. Ah, golem temporaire plutôt que l'esclave. Quel gardien, nanana. Ah non. Mince, ah non. Pas d'habitude, je détruirai les golems. Ok, bon, peut-être qu'il faut que je les touche. Ok, il y a encore du. Champion Bodak. Ici là. Ok. Yep. Allez. Vite avant lui. 126 XP. Une bande Bodak et urne de la fée. Ah, encore un petit objet à mon avis pour mes potes mercenaires. Pas de piège. Hein. Gourdin. J'ai gardé les. Registre. Alors, le petit papier. C'est ça en premier. Après, c'est ça.
presser ça. Tac. Tac. On remonte là-haut. Et on vient là-bas. Déverrouiller la porte des trois. Dernier. Ici. On enregistre. Ah dommage. Oh. C'est qui le petit invocateur là? Comment je me vire ce truc là? Déjà que j'ai pas masse de vie, mais alors si mon enlève. Ok. Ok. Ça va. Ok. Otano, Fultigama. Torche. Ramasser, mais bon, je sais pas combien de ça vaut ça. Ils ont décidé de verrouiller tous les coffres ici. Doigt de la mort. Otano, Fultigama. Obidae, Midua Valkat. Obidae, Midua Valkat. Le cadavre.
des anciens. Rituel de la lumière, de tout ça, je suppose, doit être accompli en utilisant les pierres du bassin sacré au centre des piliers. Il vous faut commencer en choisissant deux pierres du bassin primaire. Il faut ensuite placer dans les bassins secondaires les gemmes jumelles dont la couleur correspondrait au mélange des teintes des pierres du bassin primaire. Marre des couleurs secondaires et marre des couleurs. Ok, on enregistre parce que j'ai pas tout capté. J'ai même pas de place pour prendre une gemme. Attends, remets tout. Je vais tout mettre côte à côte déjà. Vas-y, ça là. Ah non, parce que ça va disparaître après. Il y a un truc que je vais vendre. Ça là. Ça va être pour l'invisibilité, je l'utiliserai jamais. Voilà, à mettre de puissance, voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Relecture. Alors, nanana. Il vous faut commencer en choisissant deux pierres du bassin primaire. Il faut ensuite placer dans les bassins secondaires les gemmes jumelles. Ce bassin est coloré de rouge, de bleu et de jaune. Il y a des gemmes enchâssées dans le fond du bassin. Après un examen approfondi, vous voyez une gemme rouge, une bleue, une jaune. On dirait qu'il est possible d'appuyer. Alors j'appuie sur la rouge. L'eau du bassin devient rouge champ. Donc côte à côte, faut que je mette celle avec lesquelles je peux faire du rouge. La orange. Et la violette. Ça. Hein. Et non, ça perd d'être ça. L'eau du bassin est rouge. Faut que j'appuie là-dessus aussi sur rouge. Si j'appuie sur la bleue. Ah mais là il y a encore le truc. Et ben voilà, j'ai même pas compris. Et oui. Je suis bon. Ne me demandez pas. Hein. Si vous voulez les solutions, il faudra regarder sur internet. Hein. Absolument rien compris de ce que j'ai fait. J'ai mis que 3 gemmes. Enfin passons. Est-ce que j'ouvrirai pas la porte avant de revenir dans le passé? Allez. Remarquez les solutions qui sont à côté de moi. Est-ce que je peux vous lire ça pendant ce temps-là? C'est comment que ça s'appelle déjà? Là où on en est. Forilcar, ouais, mais. Alors, 3. Énigme de la lumière. Alors, si vous avez des projectiles, nanana, sur son corps, nanana, prendre une paire de gemmes, la séparer, clic droit, choisir, nanana, en mettre une dans chaque bassin secondaire. Ok, puis appuyer dans chacun des bassins de couleur sur les boutons correspondants. Jaune plus rouge égale orange. Rouge plus bleu égale pourpre, bleu plus nanana. Ouais, bah ouais, salut, allez, on a pas que ça foutre. Donc, pourquoi verrouiller? Ah. Attention les gars, ça rigole pas. Oui. Non, non, mais bouge pas mec, hein. Hein? Allez. N'ouvre pas la porte là. Comment c'est que tu sois aussi rapide? Est-ce que tu passes les portes comme moi? I'm curious. Ah ah! C'est embêtant, hein? Alors tu me laisses me buff, s'il te plaît. Et même, tu vois, limite, vu que je suis magicien, tu vois, je pense qu'on va pas s'embêter, je vais te tuer à distance. Ce sera un combat très très juste. Hein. Bouge pas. Bouge pas, je te dis. Ah, par contre, tu résistes à certains de mes sorts.
is not cool. Ah, la foudre, ça, ça touche pas en plus. Nice. Tiens, tu veux te tuer? Ça, c'est un sort qui tue. Mec, faut que tu te tapes en fait. Arrête de cast. Oh, il y a des trucs qui font mal quand même. Là, il va me virer mes trucs. Oh, c'est une sacrée dissipation qu'il a. Oh, il absorbe tous les trucs qui sont... Est-ce que l'acide, ça passe? Je remets du mestil, mais il faut que tu me tapes au cac, mec. Ah, tu bloques complètement l'entrée. Oh, la solution, c'est de faire dodo. Ah, il bloque. Ça, ça te blesse? Non. Vu que ça, c'est un peu spécial. Boule de feu, bon, tu l'absorbes, je pense. Bon, bon, on va dodo, vu que t'as bloqué la porte, mec. Et ouais. Tu me donnes 600 XP, hein, s'il te plaît. Le petit flot de projectile là qui finit bien. Otano, 600 XP. Très bien, très très bien. C'est un combat qui était quand même loin d'être évident. Par contre là, ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire, non. Faut que je clique très très vite. Pfiou, c'est bon, je l'ai eu. Ils sont malins eux, hein. Attention. Attends, je vais ramasser avant de... Encore il se passerait quelque chose. Piégé. Eh bien. Oh shit. Collier d'argent, je sais pas s'ils sont bien utiles en fin de compte. Je pensais que ça servait pour une quête, mais peut-être pas. C'était peut-être les colliers d'argent de l'époque, quoi. Pew. Oh, pas de feu. Allez, les gars, c'est mon moment décisif. Attention. Mot de pouvoir. Salut. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh non, les anciens. Oh, en quoi cela me concerne-t-il? Qu'est-ce qu'il arrive au mot de pouvoir? Il n'y arrivera jamais. Je l'arrêterai. Oh. Elle a disparu. Alors, lisons un petit peu le journal. Déverrouiller les trois portes, nanana, nanana. Et ici, rien n'était mis à jour. Alors, je vais retourner rapido dans le passé pour voir si je peux parler aux esclaves, voir s'ils sont contents. À moins que. Il y ait un golem ici, non? Ah, tout le monde a disparu? Bah, j'essaie quand même de parler à Lodar. Ou Lokar, je sais plus. Lokar. Grand monde.
Voir si je peux lui dire que j'ai tué tous les golems et tout ça, quoi. Un ouvrier. Salut. Salut. J'ai changé d'avis, je préférais que vous rendiez le golem vulnérable au froid. Je vais m'en aller maintenant. Bon. Salut Locard. Vous revoilà. Bah oui, me revoilà. Savoir autre chose sur la chambre forte que nous... Bah non, il veut pas me parler. Bon, bah écoute. On retourne dans le présent. Et on va voir Arine. On va peut-être faire ça la prochaine fois, remarque. Au cas où il y aurait d'autres trucs à faire. Parce qu'il faudra que je vois surtout les mercenaires avant de faire tout ça. J'ai deux mots de pouvoir, par contre, je sais pas combien de... je suis censé en avoir. Compagnon, le récit de Tommy, mot de pouvoir. Il faut trouver les mots de pouvoir avant que Mogrim et son culte ne mettent la main dessus et n'utilisent contre pas divers. Bien que ces mots aient été perdus dans les... depuis des siècles, des rapports indiquent que trois d'entre eux se trouvent à proximité du puits. J'en ai que deux. Hein. Dès que ces mots seront trouvés, ils devront être remis à Arinjen. Ouais, bah voilà. Du coup, je reviens en ville. Et on voit ça la prochaine fois. J'irai parler, je pense, du coup, à mes potes. Parce que maintenant, avec deux mots de pouvoir, je pense que j'ai quand même assez bien avancé la quête principale pour qu'ils me donnent chacun leur quête. Et comme ça, je verrai s'il manque des objets pour eux. Et puis, j'irai les chercher en même temps. Voilà, voilà. Allez, les gars, je vous laisse. Et puis, je vous dis une prochaine. Salut à tous.